Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une configuration de voiture, la Fiat 500, que j'avais pas encore faite et qui est une voiture assez populaire, donc je me suis dit je vais le faire. Normalement ça devait pas être fait avec l'ordinateur, bon vous devez sûrement le remarquer que la couleur est genre un peu jaune comme ça et tout. C'est normal, c'est parce que j'ai branché l'ordinateur, c'est pas la même teinte. Peut-être voir avec l'ordinateur si je peux. Ça change rien du tout niveau là. Bref, j'ai dû le faire parce avec l'ordi parce qu'il y a eu un problème avec l'Xbox. Quand je vais sur Microsoft Edge, en fait, comment expliquer? En fait, la page, au lieu d'afficher la 500, elle affiche une page toute blanche et il n'y a rien qui change en fait au bout d'autant de temps. Donc, on va la configurer tout de suite. Et techniquement, il n'y a plus qu'un seul moteur, il me semble, ou deux. Alors, on va partir sur une version sport, la finition Rockstar, qui affiche 16 190 €. J'ai toujours mon problème de truc là. Bref. Alors, quel moteur on pourrait la configurer? Ben, je pense qu'on va la configurer pour une fois en mode hybride. Avec le Tiali de 70 chevaux. Alors, c'est pas vraiment une hybride. Parce qu'en fait. En fait, j'explique. C'est un système qui l'aide au démarrage en fait. Autrement dit, vous appuyez et il y a l'assistance électrique, mais après il se coupe. Et c'est le moteur essence qui reprend. C'est en plus les nouveaux Elite, donc c'est du bon moteur, vous savez. C'est ce qui remplace en fait le petit Twinair 85 chevaux. Alors, oh quelle teinte on pourrait la prendre. Eh bien je pense qu'on va prendre la en Azzurro Italia. Ouais, mais pourquoi pas? 1 750 €. Voilà, avec le beau bleu et tout. On va prendre les jantes 16 pouces, que j'adore, qui je trouve très jolies sur cette finition. En l'option et tout, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? En audio télématique déjà. Le système Hi-Fi. Ben, en gros, quand on est jeune conducteur, je pense que c'est pas le truc qu'on achèterait. Donc, je vais faire surtout pour un jeune conducteur pour éviter que la note elle soit salée. Le Connect 5 pouces navigation non plus. On a l'écran TFT 7 pouces, le Connect 7 pouces. Le projecteur Xenon, je le prends pas non plus. Je laisse la climatisation manuelle. Non. En fait, je sais qu'il n'y a pas trop. C'est ça le truc. Enfin, comme. Je vais pas vous lire chaque option parce que déjà, avec mon rhume et tout de bazar, c'est compliqué. Mais sinon, ça serait trop long et tout. Donc, n'hésitez pas à aller et à faire pause pour voir ce qu'il y a dedans et tout. Moi, c'est comme ça que je fonctionne quand je fais des configurations. Je préfère que vous regardiez vous-même. Disons que c'est pour. Je fais en fait les configurations pour ceux-là, par exemple, qui a un ordinateur, ou enfin, qui. Une personne plus âgée, par exemple, ou une personne qui ne sait pas se servir d'un ordinateur. Surtout, comme ça, elle ne doit pas se casser la tête à chercher là-dedans. Et moi, je le fais en fait pour elle. N'hésitez pas à dire si vous voulez un modèle précis. Je le ferai parce qu'il y a déjà quelqu'un une fois qui me l'a demandé et je l'ai fait. D'ailleurs, c'était une typo 5 porte rouge que j'ai faite à ce temps-là. C'était dans les premières configurations. Je pense que quand on est jeune producteur, on aime quand même bien se faciliter la vie. Donc, je pense que je vais prendre quand même la capteur de pluie et de luminosité.
On a déjà les antibrouillères, ce qui est nickel, donc voilà. La roue de secours, je ne sais pas si c'est trop utile. C'est une roue temporaire. Ouais, je pense pas. Non, je vais pas la prendre. Voilà. Alors, je vous montre vite fait les photos de la Fiat 500 Rockstar. Je parle pas beaucoup. D'habitude, c'est vrai, je parle plus, mais ici, avec ce qui se passe avec mon allergie, je préfère pas. Je préfère que vous lisiez tout. En tout cas, pour les vidéos de cette semaine, on verra peut-être si la semaine prochaine ça se calme un peu plus. Parce que là, c'est assez compliqué pour moi. L'intérieur que je trouve très très joli. Franchement, j'adore. Voilà. Donc, on va faire un petit résumé vite fait. Bon, en général, quand on fait des grosses finitions, de toute façon, il n'y a jamais rien de grand chose à dire parce que tout est de série. Donc, moi, je n'ai que les options que je prends. Donc voilà, je vais me relever parce que je suis en bas de la caméra. Donc, on est sur une Fiat 500 Rockstar. Donc voilà la finition. Qui est à prix promotionnel 18 490 euros. Je rappelle, c'est un site belge. Pour l'instant, elle a la promo. Le prix réel, c'est 19 490 euros. Attendez. Hein. Voilà, on est sur le 1 litre 70 chevaux hybride. 120 grammes kilomètres. Une boîte manuelle, on a 70 chevaux. On consomme 5 litres 3. On est sur un 999 de cylindrée. Une traction avant. Peinture en option de 550 euros à Zero Italia. Jantes en alliage 16 pouces New Sport Diamond Cut. Cuir Nero Ambiance Nero. On a une option et 17 choses de série. Par contre, qu'est-ce que c'est. Voilà. Je sais pas ce que ça a fait. Enfin, voilà. Bref, j'espère que la configuration vous aura plu. Je sais bien que je parle pas beaucoup. Une dev en surmarlier. Ouais, t'as même pas parlé. T'as parlé 30 secondes. Alors, oui, mais avec mon allergie. Voilà. Voilà pour la configuration. N'hésitez pas à liker, à commenter si vous avez, pour dire ce que vous en pensez, à vous abonner et à activer la cloche de notif pour connaître les futures vidéos. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!